Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois d'octobre. Le mois d'octobre est fini, la période d'Halloween est terminée et si j'ai pas été du tout raisonnable avec les bonbons, j'ai été encore moins raisonnable avec les mangas puisque j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Et en plus de tous ces achats, j'ai reçu des mangas gratuitement de la part des éditions Pika, Nobidobi, H2T et aussi Tartamundo, donc ça fait un haul énorme, vous allez voir. Je remercie énormément ces maisons d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé des mangas gratuits. Moi quand j'en ai un dans ma boîte aux lettres, je suis comme une gamine de 4 ans complètement surexcitée. C'est vraiment très touchant de recevoir des mangas de services de presse et d'avoir un petit peu son travail reconnu. Et donc je les remercie du fond du cœur, même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je vous laisse sans plus tarder avec le haul puisqu'il est très gros, donc ça va prendre du temps, donc je n'en dis pas plus.
t'avais dit que j'avais pas été raisonnable. En même temps, j'ai été plusieurs fois à Paris ce mois-ci, il y a beaucoup de magasins d'occasion là-bas et j'ai eu tout en occasion quasiment, sauf ce qui m'a été envoyé. Je crois que j'ai acheté un manga neuf et il y a aussi ma maman qui m'a acheté des mangas. Et donc ça explique pourquoi il y en a autant. Je sais que c'est pas très raisonnable juste avant la période des fêtes, mais bon, vous le savez maintenant, je ne suis pas raisonnable. Et effectivement, j'ai mangé des pâtes et du riz tout ce mois-ci, mais c'est pas grave parce que je me suis fait bien plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez envie d'avoir mon avis sur les nouveautés ou sur les séries en cours. Je le répète à chaque vidéo, mais tant que j'aurai pas trouvé une solution pour le montrer avec ma manière de faire les hauls, et ben je le répéterai à chaque fois parce qu'il y a toujours des nouveaux par ici. J'ai peut-être trouvé une solution, mais je n'en dis pas plus avant début 2019 parce que si ça se fait pas, ça sert à rien de vous vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est déjà terminée. Bye bye !